de trois actions. La première, c'est des mouvements fonctionnels, constamment variés, à haute intensité. Mouvements fonctionnels, ça va être des mouvements de la vie de tous les jours. Par exemple, je vais m'asseoir sur une chaise, je vais réaliser un squat. Je vais soulever mes sacs de course, je vais réaliser un soulevé de terre. Voilà, c'est des mouvements qu'on met au bout du jour. Constamment variés, ça veut dire qu'à chaque fois que la personne va venir dans notre salle, on va changer les adaptations de mouvement, on va les travailler de façon différente en nombre de répétitions, en matière de poids, ou même de temps. Et enfin, à haute intensité, haute intensité oui, mais on respecte l'intensité de la personne. Donc c'est pour ça que le crossfit en fait est vraiment adapté à tous. Voilà en gros ce qu'est le crossfit, ça va être un mélange d'haltérophilie, de cardio et de mouvements gymniques, voilà, mouvement poids de corps. Par le biais des compétitions, il est devenu un sport, mais à la base c'est vraiment une méthode d'entraînement. Je pratiquais à la base le parcours, donc le déplacement urbain. Et en fait, avec l'âge, j'ai voulu vraiment m'entraîner un peu plus de manière généralisée. Et je suis tombé dans le crossfit. Et en fait, le crossfit était tellement intéressant et tellement vraiment spécifique que j'y suis resté. Et du coup, le parcours, je l'ai mis un petit peu de côté aujourd'hui. Par un ami, tout simplement. Je faisais beaucoup de surf. Je rentrais dans la période où il n'y avait pas de vagues et je voulais vraiment garder une condition physique. Et je suis venu au crossfit par ça. C'est très simple. J'ai découvert l'activité et ensuite je suis devenu addict, comme tout le monde. Ah non, pas du tout. Au contraire, je me suis encore plus perfectionné en surf par le crossfit. Gagner de l'agilité, de la puissance, tout ce qu'il faut pour le surf. J'ai été 17 ans et demi chez les pompiers de Paris. J'ai beaucoup travaillé la gymnastique, ainsi que la musculation et le cardio. Donc naturellement, quand le crossfit est arrivé, ça n'a pas été difficile pour moi, à part dans les mouvements spécifiques de l'haltérophilie. Mais sinon, tout le reste, voilà, je l'avais déjà. Hein. La gymnastique, j'avais déjà un très bon niveau gymnique. J'ai pratiqué pendant plus de 15 ans, donc ça n'a pas été un souci pour moi. Oui, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait de la natation, du patinage artistique. Alors à la base, j'avais trois possibilités. En fait, après les pompiers de Paris, j'ai fait un BPJEPS mention C et D pour être éducateur sportif. Et comme j'avais déjà le pied dans le crossfit, j'ai quelques coachs de salle qui voulaient me prendre dans leur salle. Et en fait, j'avais mon meilleur ami qui était en Guadeloupe, à qui j'ai fait découvrir le crossfit. Et qui un jour, on a parlé comme ça, et puis on a balancé des rêves. Je dis, bah, écoute, ça serait vraiment super qu'après mon BP, je vienne en Guadeloupe et qu'on monte une salle. Parce que j'étais venu 3-4 fois et j'aimais beaucoup l'île. Et j'ai choisi, en fait, j'avais trois choix, soit deux salles sur Paris ou venir tenter l'aventure ici. Et j'ai choisi l'aventure de CrossFit Omni. Au 2015, on a trouvé le local. Pendant tout le mois d'août, on a habillé la salle, on a commandé le matériel qui arrivait. Et en septembre 2015, on ouvre la boxe. J'ai passé mon BPJEPS, donc je suis coach officiellement. J'ai mes formations CrossFit. Mon activité de coaching me permet d'avoir des heures pour m'entraîner à moi. Alors OVNI, c'est assez vieux en fait. OVNI, ça vient du parcours. À la base, j'avais créé une page Facebook qui s'appelle OVNI Parcours Origine. En fait, je retraçais vraiment l'origine du parcours avec la création par son fondateur David Bell. Et OVNI, c'était un clin d'œil en fait, parce que bon, David Bell est un très bon ami. Et on croit aux extraterrestres. J'ai fait un jeu de mots avec OVNI. En fait, OVNI a une définition, c'est origine pour le haut, vérité, efficience, naturelle et yin-yang. Voilà, OVNI. Ah ouais, dès 2015 j'ai commencé. Et après 2016 les Belgian Throwdown, 2017 les French Throwdown. Une des compétitions les plus difficiles d'Europe. Et en 2018 j'étais qualifié pour les Belgian Throwdown, mais j'ai eu d'autres choix à faire et du coup j'ai pas pu y aller, mais j'étais qualifié. Ouais. Tous les ans j'arrive à me qualifier dans une compétition. Disons que les French Throwdown, on arrive à un niveau européen. Voilà. J'ai fini en 2017 dans ma catégorie, hein, c'est-à-dire Master. En 40-44, j'ai fini, je ne raconte pas de bêtises, 12e européen. Avant, je pense qu'il faut être prête, enfin, se préparer tous les jours pour pouvoir justement aller en compétition dans les meilleures conditions et juste être préparé à ça et pas y aller un peu n'importe comment. Oui, bien sûr, j'ai plein de projets dans le CrossFit pour moi personnellement. Bien sûr, je comme tout le monde, les CrossFit Games. Et puis plein d'autres compétitions à côté qui sont internationales, mais pas avec une aussi grosse renommée. C'est vraiment l'approche globale CrossFit, telle que Greg Glassman l'a créée.
au tout début, c'est un sport santé, voilà, qui est fait vraiment pour tout le monde. Et disons qu'il y a 1% en fait de cette population qui fait de la compétition. Et hélas, c'est celle qui est le plus médiatisée. Mais au final, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les box, il y a des gens de la vie de tous les jours, des pères, des mères, des grands-mères. Nous, on a une maman de 74 ans, on a des enfants de 5 ans qui pratiquent le CrossFit. Donc oui, c'est vraiment adapté à tous. Le combat de Greg Glassman, c'est le sport santé, c'est de vieillir en meilleure forme. Puisque aujourd'hui, avec notre vie qui se sédentarise de plus en plus, et la malbouffe, les gens sont de plus en plus en mauvaise santé. Et le combat de Greg Glassman, c'est ça. Le CrossFit compétition, voilà, c'est, on va dire, c'est 1% et c'est vraiment le côté médiatique. Mais en aucun cas, ça représente ce qu'est vraiment le CrossFit. Comme dans tout sport, on a besoin de stars, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant dans le CrossFit, c'est que ça reste des athlètes abordables, des athlètes... On n'est pas comme dans le monde du foot ou dans d'autres sports qui sont un peu plus professionnalisés. Oui, il y a pas mal de femmes, bah, je pense, autant d'hommes que de femmes. C'est sûr qu'à CrossFit OVNI, on a plus de femmes que d'hommes. Et c'est pas un sport que pour les hommes. Voilà. Tous les samedis, on va faire tourner la boxe un peu plus lentement, c'est-à-dire on va être un peu moins dans le jus et on va faire participer un peu plus les gens, on va s'entraîner avec les gens, ce qui va permettre de créer un meilleur lien avec nos athlètes. Puisque bien souvent avec Nico, on s'entraîne l'après-midi et en fait, on a décidé ici, notre philosophie c'est de ne pas s'entraîner avec les athlètes, pour avoir le rôle de coach en priorité, puisque notre rôle ici c'est coach, c'est pas de s'entraîner devant nos athlètes, c'est pas la priorité. La priorité, c'est nos athlètes. Donc du coup, le samedi, tous les 5 semaines, voilà, on a eu cette idée-là de rassembler les gens, enfin Marine a eu cette idée-là, de rassembler les gens, de faire des heures découvertes, des technicals, des trainings en team, le midi barbecue, voilà. C'est un équilibre, hein. Enfin, moi, je prends ma boxe comme... c'est comme si c'était ma chambre, tu vois, ma salle de training, et les gens viennent s'entraîner avec nous dans la salle de training. Mais j'ai passé toute ma vie à m'entraîner, donc si je ne m'entraînais pas, je serais pas bien. Un truc que je t'ai pas dit, c'est que je pourrais pas être un bon coach si je pouvais pas expérimenter ce que je fais faire à mes athlètes. C'est-à-dire le fait de m'entraîner, ça me permet aussi ça. Ça me permet de tester, de ressentir, d'être dans le jus pour après mettre mes athlètes dans le jus et pouvoir les conseiller au mieux. Alors, ouais, on me dit carré, on me dit élitiste. Non, j'aime juste les choses bien faites. C'est-à-dire, quand je m'entraîne dans le sérieux et je ne me considère pas comme un athlète de compétition. Donc pour moi, quelqu'un qui vient s'entraîner chez moi, je vais demander le meilleur puisque je lui donne le meilleur en fait. Je pense que c'est un sport qui peut être très dangereux s'il est mal exécuté. Et en fait, ce qui me fatigue, c'est d'entendre les médecins, les kinés ou des gens de la santé dire que le CrossFit c'est dangereux, que le CrossFit faut pas pratiquer. C'est plus pour ça que je me bats. Je suis pas quelqu'un d'élitiste puisque, bah, comme tu as vu, on a des personnes handicapées, moteurs, neuro. J'ai une personne âgée de 73 ans, j'ai des enfants de 5 à 15 ans, donc ça touche une pleine partie de la population. Mais maintenant, pour moi, hein, le CrossFit doit être bien fait et pris au sérieux. Voilà. J'ai vraiment à cœur la santé des gens. Et quelqu'un qui bouge bien, c'est même avec des charges très très faibles, c'est déjà beau à voir. Voilà. Je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le CrossFit, c'est avant tout le mouvement et après l'intensité. Donc quand le mouvement est beau, l'intensité vient naturellement et les charges viennent avec. Mais c'est un sport de patience, on ne peut pas être un bon athlète de CrossFit du jour au lendemain si déjà on n'a pas une base sportive dans tel ou tel sport. Bien sûr, le chemin sera plus long puisqu'on n'a pas, t'as pas de base technique, c'est aussi simple que ça. Puisque c'est pas que le CrossFit est technique, c'est qu'on a oublié certains mouvements de base qui s'ils sont mal faits, peuvent être destructeurs. C'est la patience, la persévérance et être en pleine analyse de ce qu'on fait. C'est-à-dire, ce que j'essaie de faire avec les gens, c'est de les rendre autonomes dans le sens où j'aimerais qu'ils comprennent réellement ce qu'ils font, qu'ils ne soient pas là juste pour consommer une séance de CrossFit, c'est qu'ils comprennent comment bouger, comment s'améliorer, leur donner la curiosité, tout simplement leur donner un flambeau, une passion, plutôt que juste vendre un workout. Thank you.